Good morning! On est vendredi, puis il fait vraiment sombre aujourd'hui. Journée grise, journée pluvieuse. Il est présentement 8h15 et je m'en vais à l'aéroport, comme je vous disais dans le vlog d'hier. Dans le fond, c'est à l'aéroport de Longueuil-Saint-Hubert. C'est pas l'aéroport de Montréal parce que les vols qui vont en Gaspésie partent juste de là-bas. La compagnie, dans le fond, Pascan, je pense qu'on dit, fait juste affaire avec cet aéroport-là. Mais honnêtement, ça fait mon affaire parce que c'est la même distance de chez nous. C'est une demi-heure les deux. Sauf qu'à l'aéroport de Longueuil, le stationnement est gratuit. Fait que ça, c'est bien. C'est l'avantage des petits aéroports. J'étais comme pas trop sûr. Je pensais peut-être aller en taxi au début parce qu'en transport en commun, c'était comme un peu plus qu'une heure avec les transferts et tout ça. Mais j'ai appelé hier, puis il y a comme deux stationnements différents. Un pour les 3 jours et moins, un pour les 3 jours et plus. Mais dans tous les cas, les deux sont gratuits. Fait que c'est bon à savoir si jamais vous prenez l'avion à partir de là-bas. Je devrais arriver là-bas vers 8h40, puis c'est parfait parce que dans le fond, l'enregistrement de bagages commençait à 8h30, puis termine à 9h15. Fait que je vais avoir un genre de 35 minutes pour faire ça. Je pense que c'est amplement suffisant. C'est vraiment un petit aéroport, c'est vraiment à Montréal. Je pense qu'un vol ou deux par jour, puis tu sais, l'avion qu'on est, c'est peut-être 15-20 personnes. Puis j'imagine que ça doit pas être plein à chaque fois non plus, là. Fait que d'après moi, ça sera pas très compliqué, là, enregistrer ces bagages-là, ni très long. D'après moi, quelques minutes et ça va être réglé. Fait que mon vol part à 10h et il arrive à 11h30. Fait que ça va prendre 1h30 pour me rendre en Gaspésie. Au lieu de l'habituel 9-10h d'auto, ça se prend bien. Ça se prend vraiment bien. Au niveau des coûts, c'était 250$ taxine au total, juste aller. Fait que c'est 500$ aller-retour. Mais l'affaire est que je reviens demain à Montréal. Parce que long story short, mon premier cheval que j'ai eu, Beauté, je faisais pas de vidéo dans ce temps-là. Fait que je pense pas que vous l'avez vu ici sur YouTube. Peut-être sur Instagram si vous m'avez stalké vraiment loin dans les anciens posts. Mais dans le fond, c'est le premier cheval que j'ai eu. Je l'ai eu pendant plusieurs années. C'est avec elle que j'ai fait des premières compétitions. Mais à un certain moment donné, je voulais un peu plus, quelque chose d'un peu plus performant. Fait que j'ai dû faire le choix déchirant. Honnêtement, très déchirant. Je m'étais tellement attaché à ce cheval-là. Mais j'ai dû la vendre parce que pendant un certain moment, j'avais deux chevaux. J'avais Beauté et Vanna, que elle, vous l'avez déjà vu ici. C'est le dernier cheval que j'ai eu. Fait que j'avais les deux à un certain moment donné. Mais là, deux pensions. Puis tous les frais sont doublés. Fait que la moulée, le vétérinaire, l'équipement, le maréchal ferrant, tout ça. Puis c'est quand même le double de temps aussi. Je veux pas entraîner. Quand tu es en compétition, faut que tu te dépêches parce que tu as deux chevaux à passer. Et tout ça, fait que je préférais en avoir juste un, me concentrer sur juste un, donner 100% de mon temps à Vanna dans ce temps-là. Ivana, c'était un bébé aussi quand je l'ai eu, fait que c'était mieux que je lui donne 100% de mon temps. Fait que pour toutes ces raisons-là, j'avais vendu Beauté. Elle était super fine, elle avait le plus gros cœur du monde, mais à un moment donné, quand elle a atteint son maximum, elle peut pas me donner plus que ça. Fait que je l'avais vendu à une fille proche de chez nous, à Gaspésie, qui elle avait fait quelques compétitions, mais pas plus que ça. Ça s'amusait plus chez elle, elle allait en randonnée et tout ça. Fait que c'était comme un peu une pré-retraite pour la jument. Puis ça, je l'ai vendu, on parle d'il y a 7-8 ans, là. Parce que ça a fait 7 ans que j'étais à Montréal, puis je l'ai vendu un peu avant de m'en venir. Fait que d'après moi, ça fait un bon 8 ans, là, que je l'ai vendu. Puis je vous ai mentionné que j'étais vraiment attaché à cette jument-là. Fait qu'en la vendant, j'avais demandé à la fille et à la famille que si jamais ils la vendaient, de me le mentionner avant. Parce que si jamais je voulais la revoir, j'ai l'option en premier. Puis que si je lui dis non, ben après ça, elle fait ce qu'elle veut de la jument. Puis là, elle m'a écrit à la fin de cet été à peu près. Long story short, elle est aux études en ville, elle aussi. Et puis dans le fond, c'est sa famille qui s'occupe de Beauté là-bas, mais ils sont pas super à l'aise, t'sais, ils font comme le minimum. T'sais, en même temps, ça leur tente pas non plus. Là, c'était le cheval de leur fille, c'était pas leur cheval à eux, c'est bien correct. Fait que là, elle m'avait écrit qu'elle commençait à chercher pour une nouvelle famille, quelqu'un qui pourrait lui offrir, mettons, pas les soins qu'elle avait besoin parce qu'elle aurait besoin encore, mais t'sais, éventuellement, elle est rendue à comme 20-21 ans, on n'a pas son âge exact. Mais c'est sûr que plus qu'elle prend de l'âge, plus qu'elle va peut-être nécessiter certains soins. Fait qu'elle préférait trouver une famille que justement qu'elle allait avoir le temps pour elle puis qu'elle allait s'en occuper vraiment comme il faut. Fait que là, j'ai comme pensé à mon affaire, qu'est-ce que je faisais, si je la prenais ou pas. Puis tu sais, l'affaire est que je savais pas trop dans quel, pas quel état, mais là, ça fait plusieurs mois que je l'ai vue. Je vais la voir des fois quand je descends en Gaspésie, mais j'y vais pas à chaque fois non plus. Puis tu sais, j'y vais peut-être 5-10 minutes, là, tu sais, j'ai une idée, mais pas tant. Fait que j'ai mon ami Andréane qui habite en Gaspésie qui est allé la voir pour me donner une idée. Tu sais, mettons, il reste-tu, j'ai n'importe quoi, quelques mois à vivre, parce que ça se peut, là, qu'elle soit maganée, qu'elle soit vieille, ou qu'elle est vraiment belle, qu'elle a l'air d'y rester plusieurs années, puis ça va peut-être plus vers la deuxième option. Parce que dans le fond, elle a pas eu une vie très dure, la jument. Là, moi, je l'ai achetée, elle avait peut-être 7-8 ans. Puis elle avait pas fait grand-chose jusqu'à ce moment-là. Elle avait fait quelques randonnées, mais comme rien de plus. C'était plus comme au champ, à pas faire grand-chose. Le temps que je l'ai eu, j'ai fait quelques années de compétition, mais tu sais, je m'en occupais bien, elle avait les bons soins nécessaires. Puis je l'ai vendue, elle avait peut-être 13-14 ans. Après ça, comme je vous dis, la fille qui l'avait, elle a fait quelques compétitions, là, je pense une ou deux, peut-être trois. Puis sinon, des randonnées. Fait que tu sais, la jument est vraiment pas maganée, elle a pas eu une vie difficile, exigeante. Fait que
ça m'aurait surpris qu'elle soit vraiment magabie. C'est sûr qu'avec l'âge, elle peut avoir certains problèmes, ça peut être une petite maladie et tout ça. Mais ça semble vraiment pas être le cas que mon ami m'avait dit. Fait que là, j'ai pris la décision de la porter ici avec moi sur la rive sud. Dans le fond, j'ai trouvé une pension à Brossard pas loin de ma job. Fait que ça va être pratique, je vais pouvoir y aller soit en finissant ou même les soirs de semaine, la fin de semaine, ça va être quand même vraiment plus proche. Parce que Vanna, mon ancienne jument, était chez mon ami Claude, mais c'est quand même bonne heure de chez nous. Fait que tu sais, c'est un peu moins pratique. C'est sûr que c'est plus le fun parce que quand je vais là, ben souvent je dormais là, on passait la fin de semaine ensemble, on était entre amis. Mais je peux pas me dire, mettons, j'y vais rapido en soirée. Ça se faisait comme moins bien parce que ça me prenait la soirée au complet, littéralement. Fait que je pense qu'en étant plus proche comme ça, ça va être plus pratique. L'été, je pourrais peut-être la porter chez Claude vu que j'y vais quand même plus l'été pour qu'on ride ensemble et tout ça. On verra rendu là. Mais pour l'instant, je pense qu'à Brossard, ça va être l'idéal. Fait que, j'avais dit long story short, c'était pas si short. Mais c'était pour ça que je m'en vais en Gaspésie aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que j'y vais en avion. Parce que tu sais, je serais pas descendu avec mon auto vu que demain, je remonte avec mon beau-père avec le pick-up et le trailer et le cheval. Dans le fond, c'est lui qui vient nous porter. Fait que tu sais, il aurait fallu que je le suive en auto. Ça m'aurait pas tenté de faire genre 10 heures de route aujourd'hui, un autre 10 heures de route demain et conduire toutes ces 20 heures de route-là. J'aurais pu y aller en train ou en autobus, mais encore là, c'est genre 12 heures, c'est encore plus long. Puis c'est rendu comme 100 quelques dollars. Fait que j'ai payé peut-être le double, mais ça va être rapide, ça va être efficace. Puis demain, je vais pouvoir faire ma passenger princess avec mon beau-père. Je vais pouvoir étudier, faire du montage, faire ce que je veux en fait. Fait que c'est ça la grande nouvelle. Grande nouvelle pour commencer le Vlogmas. Fait que là, plan de match, moi quand j'arrive tantôt, on arrête chez mon ami, on est là justement chercher le trailer, après son trailer pour apporter la jument ici. Cet après-midi, je vais aller la pratiquer un peu, embarquer dans le trailer, parce que ça fait plusieurs années d'après moi qu'elle n'a pas embarqué dans un trailer. Elle allait super bien, j'avais pas de problème là, dans le temps qu'elle était avec moi, parce qu'on est en compétition à toutes les fins de semaine. Mais tu sais, je me dis, ça fait plusieurs années, j'aime mieux comme aller gosser un peu avec ça tantôt que genre perdre du temps demain matin alors qu'on a comme toute la journée de route à faire. Fait que je vais aller faire ça. Je vais aller souper chez mon père ce soir. Puis après ça, ben ça va être relax parce qu'on va partir pas tard demain matin. Fait que je serai même pas là-bas 24 heures. Ça va vraiment être un quick trip. Je m'excuse de l'angle, c'est vraiment dégueulasse, mais c'est ce que ça va être parce que là, je suis pas dans mon char. Fait que j'ai pas de trépied puis j'ai comme aucune place pour mettre mon sel autre que ça. C'est juste pour vous jaser rapido. Le vol a full bien été. Honnêtement, c'est tellement la paix. On dirait que quand je suis arrivé, je réalisais pas que j'étais en Gaspésie tellement que ça a pas été long. C'est l'habitude d'une journée au complet. Fait que genre, je sens que je suis rendu loin, mais là, c'était vraiment pas ça. J'avais pas l'impression d'être aussi loin, on dirait. Et ça a été un peu plus long que prévu. Ça disait 1h30 pour en arriver à genre... moins un quart peut-être, ça a été genre 1h45 plus qu'une heure et demie que ça a pris. Comme je vous disais, c'est vraiment un plus petit avion, fait que je pensais peut-être que ça allait être un peu moins, moins stable, plus de turbulence et tout ça. Mais honnêtement, la seule différence que j'ai vue, c'est que c'était plus bruyant, ça faisait plus de bruit, on dirait un gros avion. Puis il y a eu des turbulences un peu quand on, redescend puis qu'on passe comme à que les nuages, je connais pas les termes exacts, là, mais quand tu replonges dans les nuages puis après ça, tu revois tout comme en bas. L'entre-deux, ben là, c'est sûr qu'il y avait quand même plus de turbulences, mais tu sais, c'était rien d'alarmant, c'était pas genre stressant, puis c'était pas long, là, c'était vraiment pas grand-chose. On s'est arrêté chercher le trailer en revenant chez mon ami Andréane, puis là, je m'avais pratiqué beauté, voir qu'est-ce que ça va dire. Il est un peu tard parce qu'on a arrêté à quelques places, là. Fait que j'espère que ça sera pas trop compliqué parce que s'il se met à faire noir, c'est sûr que ça va être un peu plus compliqué pour elle. Parce que mettons qu'elle rentre pas, c'est sûr que s'il fait noir, ça jouera pas en ma faveur. Ça va juste être de plus en plus difficile parce qu'elle verra pas dans le trailer. On est positif, ça va bien aller. J'ai confiance. On va pratiquer petite madame à rentrer ici. Good girl! Thank you! Good girl! Good sweet! Good girl!
La championne. Hein? Tu m'as dit comment t'es bonne? Le gros step! T'es-tu tanné? Oh, petite madame. On est rendu samedi, je suis tellement tout mouillé d'un jour. Là. On dirait que ça a tellement été vite comme fin de semaine que le temps a genre arrêté, je suis tout mêlé. On est samedi, il est 3h de l'après-midi et on arrive bientôt à l'écurie avec beauté. De pas reparler hier dans le fond parce que c'est ça, comme je vous dis, ça a été tellement vite. J'avais pratiqué beauté, ça n'a vraiment pas été une longue histoire qu'elle a rentré dans le trailer. Là. Ça a peut-être pris un 10-15 minutes pour rentrer les premières fois. Après ça, je l'ai rentré plusieurs fois pour être sûr qu'elle rentrait bien et qu'on n'avait pas de problème ce matin. Fait que j'étais là peut-être environ une demi-heure hier. Je suis revenu, je suis allé super au restaurant avec mon père, ma belle-mère et mon frère. Après ça, je me suis couché pas trop tard parce qu'on se levait à 5h ce matin. Ce matin, on est parti chez nous vers 5h30. On est arrêté chercher beauté à la rentrée en genre 2 minutes au pire d'entrée l'heure. Puis après ça, on a pris la route direction la rive sud. On est arrêté quelques fois, là, faire pipi, se pogner un petit dîner. J'ai essayé de donner de l'eau, mais elle voulait pas boire. Ça me surprend pas vraiment. Je m'attendais à ce qu'elle boit pas, là. Parce que, tu sais, quand même un peu ses nerfs pis tout. C'est normal. Je me dis qu'au moins, c'est pas l'été, genre, qui fait 30. Là, c'est pas la grosse canicule. Fait que c'est pas si grave si elle boit pas, mettons, aujourd'hui. Elle avait bu cette nuit chez eux, puis elle va reboire ce soir et demain, elle va s'en remettre. J'avais mis du foin, je pensais peut-être devoir y faire un refil, mais finalement, elle mange vraiment pas beaucoup. Je pense qu'elle est quand même sénère, là. Parce que, je pense que je vous l'ai dit, mais ça fait comme 7-8 ans là, qu'elle a pas fait de trailer, fait que c'est sûr qu'elle devait un peu sénère. Là, on est arrêté chercher mon auto à l'aéroport, puis on arrive à l'écurie dans environ 30 minutes. On dirait que je réalise pas encore, genre, qu'elle va être ici avec moi, là. Ça a tellement été vite, ça a tellement été comme clac, 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 ça n'a pas arrêté que j'ai pas eu le temps de comme m'arrêter puis de penser à ce qui se passait. Allez, là. Vas-y, doucement. On est rendu où? On est rendu le lendemain, je vous ai pas vraiment reparlé hier. On est arrivé là-bas, on a débarqué beauté, j'ai débarqué le stock que j'avais. Puis je suis resté là un petit peu, parler avec les propriétaires, voir si c'était correct et tout ça. Mais pour vrai, être dans un grand box, elle était vraiment pas stressée, elle fait ses affaires, elle mangeait, elle avait pas l'air de chercher, elle avait pas l'air d'être perdue nécessairement. C'est sûr que, comme je vous disais, ça fait plusieurs années qu'elle était à la même place, avec la même personne. Mais moi, quand je l'avais, on sortait en compétition toutes les fins de semaine. Fait que c'est sûr qu'elle a quand même dans sa vie, était habituée à comme arriver à des nouveaux endroits, avoir des changements d'environnement et tout ça, même si ça fait plusieurs années, elle a déjà vécu ça de façon, ben c'est ça, à chaque semaine. Fait que vraiment, elle n'a pas de misère à comme s'acclimater à ici, aux changements et tout ça, parce que pour vrai, hier, elle faisait ses affaires, à manger, elle n'a pas l'air stressée, ça n'a vraiment pas l'air de la mettre ses nerfs. Fait qu'après ça, je suis revenu ici, on a soupé, puis en soirée, on est finalement sorti avec des amis. C'était un peu improvisé, on s'est décidé vraiment tard qu'on sortait, mais ça a été ça pour la soirée. J'ai pas tant filmé pendant que j'étais en Gaspésie, je pense. Puis aussi avec beauté, ben c'était pas facile de filmer et de faire mes trucs en même temps. Je pense que j'ai quand même réussi à prendre quelques petits clips, surtout pour faire des souvenirs, parce que je vais pouvoir regarder ça dans plusieurs années, mettons, quand je l'ai re-eu à nouveau. Puis en Gaspésie, ben j'ai pas été là super longtemps, fait que c'est sûr que j'ai pas filmé grand-chose. J'étais arrivé vers, mettons, midi. Puis à 5h le lendemain, on repartait. Fait que j'ai pas fait grand-chose et donc pas filmé grand-chose. Mais je voulais juste venir prendre le temps de conclure ce vlog-là. On a un petit chat ici qui est collé. Fait que j'espère que vous avez aimé ça venir avec moi en Gaspésie, puis ben rencontrer mon nouveau cheval. C'est sûr que vous allez l'avoir plus le prochainement parce que ben je vais y aller quand même souvent. Je compte y aller tantôt justement. Fait que ça va être dans le prochain vlog. Fait que merci d'avoir été là. Puis nous on va se revoir demain dans un prochain vlog. Ciao!